Bonjour. Justement, je voulais vous demander, vous allez voter? Ouais, ça sert à rien. C'est toujours la même clique. Alors ça, c'est bien vrai. Tous ces politicards qui ne pensent qu'à leur gueule, franchement... Mais non, il y a l'autre, là... Qui? Bah, un type avec une bouille super sympa et un nom bizarre. Ouais, c'est un ouvrier, moi je suis fort. Un ouvrier président? Alors, mais t'as pas bien dormi, hein? Mais si, comment il s'appelle, déjà? C'est le type qui a remplacé le facteur. Ah! Bonjour, c'est moi, c'est Philippe Poutou. T'es vraiment ouvrier, toi? Ouais, je travaille à l'usine Ford à Montfort, à côté de Bordeaux. D'ailleurs, si je travaille, c'est parce qu'on s'est battu pendant 4 ans hein, avec les collègues pour défendre cette usine-là, pour défendre notre job. Il a fallu se battre et aujourd'hui, bosser, ça veut dire aussi ça, c'est se battre au quotidien. Attends, mais t'es un ouvrier, t'es pas un politicien, tu fais quoi aux élections, là? Ben oui, mais nous, on pense que la politique, c'est l'affaire de tous. Il faut qu'on prenne nos affaires en main. Et on a envie de dire aussi qu'il y en a ras-le-bol de ces politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui font des promesses pendant les élections, puis qui nous oublient après. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, et après, tu sais, moi, j'étais toute ma vie un smigard. J'ai pas une thune. Et tu proposes quoi, alors? Ben c'est sûr qu'avec le SMIC actuel, on ne peut pas vivre décemment. Donc il faut vraiment augmenter les revenus pour tout le monde et le mettre au moins à 1 700 euros net. Que ce soit les minima sociaux, les indemnités de chômage pour les retraités ben, et l'allocation handicapée, il faut vraiment tout faire parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse vivre décemment. Hey, Philippe, 1 700 euros, tu parles en dinars ou... Philippe, 1 700 euros, tu le prends où l'argent? C'est la crise. Ben, ça, la crise, c'est le baratin qu'on nous sort. C'est vrai que c'est la crise, on le voit, nous, en tout cas, c'est chômage, précarité, difficulté de vie au quotidien. Mais après, à côté de ça, du côté des riches, eh bien, c'est des profits qui augmentent, c'est des grosses fortunes qui augmentent. Donc voilà, il y a des moyens, il y a des richesses, il faut les partager. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Je trouve que sur le principe, vous avez tout à fait raison. Mais quand même, il faudrait aller voter utile, quoi. Ah, mais voter utile, c'est quoi? Nous, on dit que voter utile, c'est voter anticapitaliste. C'est faire entendre cette voix de révolte contre ce système injuste. C'est discuter de la répartition des richesses, c'est discuter de l'interdiction des licenciements, l'arrêt des suppressions d'emplois dans les services publics. Et puis, c'est aussi dire qu'il va falloir qu'on se batte contre toutes les austérités, qu'elles soient de droite comme de gauche. Et donc, moi, mon proprio, il pense qu'à une chose, c'est le virer. Tu fais quoi, toi, pour le logement? Bah déjà, il faut arrêter les expulsions, il faut bloquer les loyers, faire en sorte que même le loyer ne dépasse pas 20% du revenu. Et après, bah, ça pose le problème plus généralement, bah, la question d'un véritable service public du logement pour que tout le monde puisse être logé dans des conditions normales et décentes. Et c'est quand les élections? C'est dimanche 22 avril. T'as raison, Philippe, il ne faut pas lâcher. C'est pas à nous de payer leur crise. Tu vois, moi, je n'ai pas le droit de voter. J'ai des gosses, je paie des impôts, je suis ici depuis 10 ans, mais ils ne veulent pas que je vote. Ben, à partir du moment où on vit et on travaille dans un pays, on doit avoir les mêmes droits que tout le monde. Donc on est pour le droit de vote des immigrés à toutes les élections, on est pour le droit à l'éligibilité, et même on est pour la régularisation de tous les sans-papiers, et tout simplement on est pour un droit fondamental, c'est celui de la liberté de circulation de tous. Et voilà. Bien. Ouais, c'est pas fini, bordel, hein. Toi encore passionné, hein. Et Philippe, viens boire un café, comme ça on parlera, et vous aussi, venez. Ouais, on arrive. Thank you.